je vous remercie pour votre intérêt. Je voudrais surtout remercier tous ceux qui m'ont toujours soutenu dans mon art, me permettant ainsi d'exposer ici dans ce musée le plus important au monde. Chaque fois que je suis ici, ce pays a changé énormément. Moi, je trouve toujours de grands changements ici. Quand nous partons de cette vie, qu'est-ce qu'on laisse? C'est matériel qui est vide? Mais ce qu'on laisse vraiment, c'est l'âme, l'amour et la compassion pour tout ça. Ça, tu trouves dans mon manteau. Et pourquoi il est vide? Cette vide, elle est plus remplie que le vide. C'est rempli vraiment par cet amour. Ce sont des sculptures que je faisais à l'honneur de mon père. Mon père, il était grand musicien et quand il ne savait pas qu'il a créé une fille qui a suivi son talent. La Chine, elle est tellement différente de nous, dans leur comportement, dans leur éducation déjà. Mais quand on est longtemps, comme moi, je suis tous les ans déjà ici, je ne trouve même pas les yeux bridés. Ça, c'est curieux. Je trouve les gens un peu comme des Européens. Peut-être parce que j'aime la Chine. Peut-être c'est ça. Ouvert pour toute la nouveauté et ça c'est très agréable parce qu'ils veulent faire des échanges avec nous. J'étais découvert presque par un hasard parce que un homme qui est venu parce que je voulais vendre mon appartement, il est venu chez moi et il a vu tant de peintures dans mon appartement. À la fin, il ne s'est plus intéressé pour l'appartement, mais pour la peinture. Et c'est lui qui m'a introduit aussi en Chine. Je suis entrée dans la mythologie grecque romaine avec mon art.
Mais dans notre époque, je ne veux pas copier les autres anciennes, non. Il faut chercher la création. Bien sûr, cette création est difficile, ça demande quand même, d'ailleurs, déjà que tu connais vraiment la mythologie, pour créer encore quelque chose dessus de notre époque. Comme si c'est faux. Nous pédalons dans l'effort. Sans effort, il n'y a pas de sens dans la vie. Donc c'est absurde. Moi, je montrais ça sur une bicyclette, la famille. Le petit, il prend la grande roue un jour de son père. Mais il ne pédale pas encore. Il se laisse guider pour pédaler. Donc c'est absurde parce que c'est toujours dans un sens où on fait un effort sans voir le but de notre vie. C'est pour ça que les gens riches qui accumulent, qui voudraient, si la vie voudrait se contenir, ils voudraient s'étouffer dans cette accumulation. Voilà l'absurde. Tua frère.